nous avons d'abord remercié Madame la Première ministre pour l'excellente qualité des relations qui se sont déjà établies entre les Nations Unies, entre la MONUSCO et son gouvernement, et elle-même en sa qualité de Première ministre. Et nous avons parlé des efforts diplomatiques en cours, de la manière dont nous pourrions travailler ensemble pour faire avancer ce processus. J'évoquais le soutien politique des Nations Unies et aussi opérationnel à ces efforts de paix, à travers notamment le soutien que la MONUSCO va apporter au mécanisme de vérification et de suivi, mécanisme ad hoc pour le cessez-le-feu. Nous avons parlé du travail que la MONUSCO va faire pour apporter son appui à la force de la SADC, à Midiarsi, en plus, bien sûr, de la poursuite des missions fondamentales qui ont trait notamment à la protection des civils. Nous sommes convenus qu'il était important non seulement de continuer à travailler ensemble dans la perspective de la définition des prochaines étapes du désengagement de la MONUSCO, désengagement responsable, graduel, qui doit être adapté aux réalités du terrain, adapté aux évolutions sécuritaires et politiques. Et nous sommes convenus aussi de l'importance non seulement de rester étroitement coordonnées, mais aussi de l'importance d'une communication coordonnée qui reflète l'excellence de notre coopération. Donc, voici en quelques mots quelle a été la teneur de cette discussion qui a été très utile et qui a vraiment témoigné, encore une fois, de l'excellence des relations établies avec ce gouvernement. Alors, quelle a été la réaction de la Première ministre après avoir soumis vos préoccupations? Moi, je pense que nous sommes sur la même ligne. Et nous avons déjà engagé un travail qui va s'intensifier dans les prochaines semaines, en ce qui concerne notamment l'évolution de la MONUSCO, puisque vous le savez certainement, la perspective du renouvellement du mandat de la MONUSCO se rapproche, sera examinée à la fin de l'année. Entre-temps, nous devons fournir un rapport au Conseil de sécurité. Ça doit évidemment, ce rapport, procéder d'un travail étroit entre les autorités congolaises, le gouvernement et nous-mêmes. Et puis, par ailleurs, évidemment, il y a de multiples autres activités que nous voulons continuer à conduire avec le gouvernement. Nous avons parlé de l'importance de réactiver le désarmement, la démobilisation, la réintégration des combattants, l'importance qui s'attache à ce que toutes les structures soient en place et ressources également, parmi d'autres sujets. Alors, Bon, d'abord, en ce qui concerne les structures de travail, les structures sont en place. Il y a un groupe de travail pour réfléchir et travailler à la fois aux leçons retenues du désengagement du Sud-Kivu et aux prochaines étapes. Ça, c'est en place et nous sommes convenus de maintenir un contact étroit, y compris au niveau de la Première ministre et de la représentante spéciale, Madame Bintou Keïta. Et puis par ailleurs, sur le terrain, le travail de coordination va se renforcer sur tous les plans, sur le plan du soutien aux efforts diplomatiques. Nous sommes très très impliqués, encore une fois, à la fois politiquement et opérationnellement. Sur le plan pratique du terrain, j'ai mentionné ce que nous faisons, ce que nous allons faire sur la vérification, le soutien au cessez-le-feu et toute autre activité qui seront jugées indispensables, nécessaires pour aboutir à des progrès. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Merci. Demandez à M. Lacroix, que fait la communauté internationale, que fait les Nations Unies? Parce qu'aujourd'hui, on a l'impression que nous sommes abandonnés à nous-mêmes. M. Kagame empiète, viole l'intangibilité territoriale de notre pays, envoie les M23, c'est-à-dire le supplétif de l'armée rwandaise, pour détruire les Congos. Les Nations Unies ne parlent pas. Aujourd'hui, on prend M. Tshisekedi en tenaille et on lui dit que non, il doit régler le problème de FDLR. Le FDLR, ce n'est pas un problème congolais, c'est un problème des Nations Unies. Et je lui dis que les Nations Unies doivent régler le problème de FDLR parce que quand Mobutu avait demandé à ce que les FDLR rentrent chez eux, les Nations Unies, la France, les États-Unis, la Belgique ont refusé. Et aujourd'hui, ça devient un problème du Congo.
Maintenant, en ce qui concerne ces processus de Luanda ou de tel ou de tel autre, je dis à M. Lacroix, nous voulons un processus de Kinshasa. C'est pour que les filles et les fils de ces pays se mettent ensemble, comprennent les causes profondes de leurs problèmes, qu'ils comprennent, qu'ils se disent la vérité et qu'ils se réconcilient en vue de la cohésion nationale pour affronter les ennemis extérieurs là où il y en a. La stratégie de Tshisekedi face aux Occidentaux, France, États-Unis, Belgique, en difficulté, ils ont envoyé Jean-Pierre Lacroix, leur gérant, Oyoboebia ONG Nabango, Oyobabengaka ONI, pour essayer de convaincre encore Tshisekedi d'aller dans les dialogues. Mbote bana mboka Congo, oyobo kolanda kabiso bisika nyonso, partout dans le monde entier, na expression 26. Bonjour, bonsoir, ça dépend à R, oyobo kolanda biso. Oyobo mwana mboka nabino boyebi na kombo moloto. Boyebi ke soki bo moningai, c'est que na ekolobela Est RDC. Place nini, tokenda kako luka ba information bana mboka Congo. Parce que tu es bien, tu as dit bosso na bino. Et sengeli tu es na biloko oh et sengeli pour que moi na mboka Congo ayeba makambo zali koleka na mboka naye à comprendre pe complot international oh ezali na kati po na mboka Congo à cause ya richesse onzamba pesa biso. Voilà l'objectif est indiqué biso. Mais na yango wana toko senga na yo OME mission OYO. Voilà le roto kosenga yo. Parce que yeba keke tango yo ko eme mission. Koko ta ota la pamba te mwana mboka Congo. Eme partager. Pour que mwana mboka mususu a Congo yepe a yeba. Awa to koloba mama li kambo ezali nini. Ezali koya ya Jean-Pierre Lacroix. Bana mboka Congo, mais akutani na stratégie Tshisekedi. Oyo koyo ko mona kati ya émission. Jean-Pierre Lacroix ye ko sala nini? Pour votre information bana mboka Congo, Union européenne. Ba fungoli minduki na bango envers Tshisekedi. Pona nini? Parce que ils avaient suspendu l'on a bien de Konanga Congolais. Bani l'a quitté. Mais ils avaient suspendu Oyoto Benginini accord MOI entre l'Union européenne et le Rwanda. Pour que le Rwanda azo minéré Oyoto Benga stratégique 3T après ça yango na wapi l'Union européenne. Pouvez-vous comprendre que c'est seulement après les échecs, moi dans mon Congo, il y a ma camoufle qui colle dans Luanda. Des moments babandi baramoko qu'on s'agite pour que Bazongisa Oyoto Benginini accord sur les minéraux stratégiques que le Rwanda devrait donner à l'Union européenne. Moi dans mon Congo, non simplement yango. L'Union européenne n'a pas dit ma kelele envers Tshisekedi. Par rapport à Nini, il y a Jean-Jacques Wondo. Jean-Jacques Wondo, oh, il y a Zala qui a arrêté. Moi, je suis en Congo. Oh, il y a Zala qui a arrêté pour la tentative de coup d'État. Lorsque Bango Bako défendre, quelqu'un qui est venu pour faire le coup d'État, Aboma Moko Zamboka, oui. Parce que Bazaki na bureau na ye. Ba malanga Bazaki na bureau na ye. Et Jean-Jacques Rondo, elle est co-auto benginani, commanditaire numéro 1. Et si, parce que selon les informations que nous avons en notre possession, le président de la République, chaque samedi, a zaraka kozala mingi mingi wana si, na palais présidentiel, na palais de la nation, place wapi, na bureau na ye, souvent.
Et ils ont été informés. Jean-Jacques Wundo est où? Il travaille où? Azali Osana Aner avec Lusadis. Non, il est bien goûté. Et ceux qui m'ont dit qu'il y a des secrets du coup, on a parlé des nations. Mais comment est-ce que vous, l'Union européenne, vous avez dit que vous avez un dossier où vous avez raison de vous dire que Congo. Vous ne voyez pas que l'Union européenne est en Congolais? Non, simplement, on a maman ou à Belgique. Oh, il y a qui maman ou à Bissopé pour affaire étrangère. Maman wana hier a bengi maman ministre Thérèse Kayikwamba pour lui dire que baza contacté dengi ba condamné Jean-Jacques Wound. Pour Jean-Jacques Wound de l'eau quoi ça lié ça normal. Tentative ya coup d'état. Et puis banamboka Congo. Nous avons cité les noms les pays. Pays le quoi Japon, pays le quoi Chine, pays le quoi États-Unis, pays le quoi la Qatar, pays le quoi Chine. Tous ces pays-là, bah, pratiquent nous cas les condamner à mort envers les traîtres. Ce n'est pas pour rien agitation au monde bah, bazar na yango. C'est parce que ils ont senti et que mon Kozamboka a dit non. Mon Amboka Congo, je viens de vous dire que la stratégie de Tshisekedi face aux Occidentaux, n'a qu'eux besoin avec beaucoup de détails. Okomona kemokozamboka a sali nini a sali stratégie aux États-Unis au kokaté et puis ngana banga ka américain té puisque je sais que les Américains n'ont jamais gagné aucune guerre ba gagna té na monombe. Oui, je vous l'ai dit la vérité ba na mboka Congo. Alors voilà un peu maintenant Jean-Pierre Lacroix on a où tu koyé biso mo na mboka Congo ayaki na objectif nini. Pouvez-vous comprendre que Jean-Pierre Lacroix est na Congo? Na moment oyo na kacha mboka Congo, nous avons des problèmes avec les Rwanda. Il fallait qu'il aille d'abord au Rwanda parce que le Rwanda a refusé kosa nini? Kota plan ya sorti. Il y a ba RDF na sol congolais, c'est ça. Et lui Jean-Pierre Lacroix, il est qui? Azali secrétaire général mona mboka. Adjoint ya ONI. Là où bango batie mission na bango auto bengi MONUSCO. MONUSCO ezali mission onini. Mission oyo ya S oyo mona na kacha MONUSCO. MONUSCO. Ko la se Congo. S wana ezali stabilité. Et ils savent bien que les Rwanda bazali kotia instabilité à l'RDC en venant nous faire la guerre. Et selon les rapports des experts de l'ONU, selon un rapport, disons même pas que les rapports, puisqu'il y a les rapports Oyewutu Kobimana, mois de mars 2024, mais sans compter d'autres rapports qui ont été déjà sortis il y a des années, et il y a aussi les rapports mapping, Banamboka, selon tous ces rapports-là, ils ont prouvé que les militaires rwandais sont dans les sols congolais. Moi, je suis Congo. Militaires rwandais dans les sols congolais, ils ont été en agression. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Mais Jean-Pierre Lacroix, Ayeko Salanini, Ayeko Pesande, Mouyen à opposition. Il est allé rencontrer l'opposition, là où l'opposition parle du dialogue. Et c'est Jean-Pierre Lacroix, au Tobeni secrétaire général adjoint à ONI, à quelque coup dans la société civile, il a rencontré l'opposition et a rencontré la société civile, a rencontré l'autorité congolaise. Il est en train de rencontrer toutes les couches sociales et politiques de la RDC. Et Wane Zanini pour dire qu'il faut qu'il y ait les dialogues entre Tshisekedi et les opposants. Alors que nous venons des élections, est-ce que les dialogues entre Tshisekedi et l'opposition congolaise, ou bien avec d'autres couches nationales, telles que la société civile et les autres, est-il prioritaire au moment où
il y a agression parce que vous, vous êtes l'ONU. Vous ne nous avez pas vu que agression Ezali. Il y a eu agression. Il y a armée rwandaise sur le sol congolais. Au lieu de venir traiter les problèmes ou dire à Kagame, parce que vous êtes l'ONU, de faire sortir. Il faut aussi savoir que les gens Pierre Lacroix ou Nakolubaka, ne connaissent pas congolais, il est qui c'était français. Nenge na lobaki bango mutu ba rédija ki résolution o na kolobaka na komo ya 2746. Et na kata résolution, ils ont compris que na résolution na bomba sala ki wana, ils ont mis des pièges pour ne pas permettre na Sami DRC à kokoko travailler comme il le faut. Oui. Mais je vais vous montrer que Tshisekedi a fait une stratégie. Oui, il faut savoir koloba kotali sa muntu na ba mérite na ye. Bokomona ba mérite Tshisekedi que je vais toucher tout de suite là. Bokomona que le président de la République a compliqué bango na dega ko sanganate. Ils ne savent pas maintenant comment protéger les Rwanda et Kagame. Bango moko ba pesa ki Kagame munduki. Mena yindeli Kagame. Bana mboka Congo. Biloko oyo et président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Puisqu'il y a des secrets d'état que on ne peut pas dire. Mais bana mboka sengeli ba yeba ke. Biloko sengeli ki tozwa na Chine ezali. Et ils ne savent même pas. Et puis il faut aussi savoir que lorsque Jean-Pierre Lacroix Bana mboka Congo. Tango Jean-Pierre Lacroix a kolukaka ndenge nini akoti sa opposition. C'est pourquoi eza po azo ba Jean-Jacques Wondo mususu. Oyo ba ko servir ye. Azo ba oto benga ba Ruben Roy. Oyo ba ko pesa ka bango ba information sur le Congo parce que il faut savoir que la lutte que Tshisekedi est en train de lutter ba benga ngo lutte nini. Eza na deux volets. Intégrité territoriale et la souveraineté nationale. Voilà la lutte que Tshisekedi est en train de lutter. Maintenant, Baza en perte. Ils ne savent même pas où ils peuvent avoir des secrets ou des informations sur l'État congolais. Et il faut savoir aussi que la force, il y a une armée ou d'un État, c'est le secret. Savoir garder les secrets d'État. Ils ont perdu Beya. Beya Kenda. N'est-ce pas, ils ont envoyé jet privé ou T-France directement à Congo Brazzaville et pas via Jaloux pour nous causer Beya. Où est-ce qui chargé à sécurité à Mokozamboka, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Oh, où est-ce qu'il y a deuxième? Ils ont perdu Biselele. Biselele, où est-ce qu'on peut savoir information? Qui va leur donner maintenant les informations sur Tshisekedi? Où on doit payer à Outiko Kindi? Jean-Pierre Lacroix en difficulté. Pourquoi? Parce que Bazan Angela a causé une information sur la RDC. Et Jean-Pierre Lacroix, Azaki accompagné na monsieur Wang Xing 16. Wang Xing Azanani, c'est un Chinois, mais Azaki Lokola a envoyé spécial. Il y a secrétaire général, il y a ONU Anthony Blinken, pardon, Anthony Guterres. Un envoyé spécial pour le Grand Lac. Et Guterres, il est qui? C'est le monsieur Obatuna qui est que Minouki M23 au Zouaïouta Wapi de quelque part. Un complice. Pour la nini, pour la insécurité, et la koukoufa yabana mboka Congo. Antonio Guterres, je vous l'ai dit, moi, dans mboka Congo. Aujourd'hui, les rapports des experts de l'ONU au Yabango Moko prouvent
qu'il y ait 5000 hommes rwandais sur les sols congolais. Mais pourquoi lui qui est le secrétaire général Yaoni, le mieux informé, mais là n'y est pour dire qu'il y a habité de quelque part. Vous comprenez que Batouana Bazali Kosa la complot. Ils ont amené Tshisekedi dans ce cessez-le-feu pour essayer un peu que bah même la distraction cessez le feu. En même temps, va permettre Kagame à organiser M23 naïe. Et puis na Kabila a organisé AFC naïe. Boyoka ki ke Kagame et Kabila na Belgique. Et boyoka ki lobi makambu Sadara lobaki. Ayebisa ki yena ni Jean-Pierre Akwakwa. Ayebisa ki nini. Ayebisa ki ke non. Nous n'allons pas dialoguer puisque lui Jean-Pierre Akwa ki ndeko senge dialogue. Abi nous n'allons pas dialoguer. Que Tshisekedi aille dialoguer avec l'AFC au Togobenga Basangana M23. Ça, c'est Shaddai. Et c'est lui qui nous a révélé que Jean-Pierre Lacroix était venu pour ramener le dialogue avec un seul objectif. Que coach en institution, banani, des personnes au Basangini, Basali va infiltrer pour permettre et que la personne wana va payer sa bango information. Je disais moi dans le Congo, bah même si c'est qu'il n'a cessé les faits, là ce sont les Américains. Bah combien ouais puis d'Angola, là de même d'Angola, c'était parce que tant bah Kumba qui c'est qu'il n'a pas cessé les faits, il voulait que à niveau Makambo Itali cessé les faits, amener Tshisekedi dans les distractions. C'est pourquoi on a dit que Tshisekedi en stratégie n'a pas sali et même il bah en difficulté. Lorsque Mémé Tshisekedi wapi na lobi na Luanda, en même temps, il a organisé par M23. Parce que Toyokaki, na moment où pour parler na Rwanda, Kagame nécessite de renforcer na niveau ya Rutshuru. Or que, na moment ya cessé le fait, na makambo ezali koleka na Luanda, bana mboko to bengi ba wazalendo se renforcer aussi. Oui. Et n'oublions pas l'armée congolaise. Parce que dans mon collègue, les cas, ba mituka électronique, puisque la guerre aujourd'hui est comme on a macapé électroniquement, en mettant des appareils pour recevoir des vidéos. Parce que ba ça là na ba drone, ba drone de surveillance, mais na forme yandeke. Lorsque toi tu observes comme ça, au monde yandeke, ils ont toutes sortes d'appareils électroniques. Oh ba ya ki na ngona territoire ya Massis, puis ya Rutshuru. Mais Njokande, bana mboka oto bengi, ba Ibu. Unité ba FRDC. Na ba wazalendo. Bango ba yaka souvent na mi système ya ba embuscade. Et ils ont mis, ba tchaki bango na embuscade. Et ba kwa isa ki mi tuka omu tuka électronique. Mi tuka oyo bango ba yaka nango pona ko esala ba installation électronique. Dans le moment où ils ont cessé les faits, bango bazaki ko s'organiser. Wana ba benga ngoni ni, c'est le système oyo Kagame aye kola et pas américain. To benga ngon anglais talk and fight. C'est-à-dire dialoguons, combattons. Lorsque quelqu'un dit talk and fight, tu sais que dit père le bien talk and fight. Il organise les M23, nous aussi nous organisons FRDC Wazalendo. Oui. Alors, voilà un peu Jean-Pierre Lacroix en difficulté. Il nous ramène maintenant pour venir diviser maintenant à l'interne. Banambo Kabalandanga Bayebi et qui n'explique qui bango de temps en temps pourquoi cette Kikuni a été arrêtée. C'était la stratégie à Occidentaux. Parce que les Occidentaux Bayebi que il y a un principe mondial. Principe mondial, là où les gens sont unis, au Kokoka Bangote. Moi, Nambo Kamoussou, je suis à Congo, à Komela Kingai comme d'habitude. Ndegomuloto luka église ke ndegoteya. Pourquoi? Parce que nazaki ko expliquer ye. Ce sont les principes de la vie. Et que l'opinion gagne toujours. Et l'unité gagne toujours.
nazaki olakisa ke ndenge oyomonaki na ebandeli bato basalaka tour de Babel elangaji nzamba yaki koyebisa bango eke tala bato oyo basangani eloko ekotelema na bango eza te division le nde lelo omonami minoko ebotama balingala ba français ba anglais c'est parce que Dieu a divisé bato. Là où les gens sont unis, nzambe moka banga katali bato basangani na divisé bango. Lorsque les gens parlent d'une seule langue, muta okoka bango azate. Même encore, il y a encore un autre élément important. Et dans la Bible, tant que bato basangana ki bake ko ebisa Samuel. Samuel est au roi. Samuel a voulu s'opposer. Na décision bato basenga ki roi. Mais à la fin, qu'est-ce qui est arrivé? Tant que Samuel a ke panza, mes ambabi, ça là où bango balobi. L'opinion. Et mundele akobanga ka opinion nationale, o ezaki na bomoko. C'est pourquoi ils ont envoyé Jean-Pierre Lacroix. Parce que bayebi ke na Luanda bazu échec. Et na terre pe bakokokate parce que le FRDC se sont organisés comme il le faut. Bana mboka Congo. Voilà pe na zaki kotali sabino. Qu'est-ce qui s'est passé avec Jean-Pierre Lacroix? Jean-Pierre Lacroix aye pona koluka ndenge nini a divisé biso. C'est la politique des occidentaux. Ya mwana ke nay komona Emmanuel Chabdari. Ake komona nani? Monsieur Fayulu. Ake komona batu ya Katumbi. Pour diviser. Et bango be babimi manamoko. Baba ndi kocha makelele. Là maintenant pour chercher quoi? Déstabiliser, affaiblir l'unité nationale. Et bango pe na côté na bango. Baba ndi suko koluka ko affaiblir le pouvoir en place. À travers quoi? À travers la Belgique. Na ba déclaration Belgique a ko ba pona condamnation à Jean-Jacques Rondo. Et puis na l'Union européenne a yé en soutien en Belgique pour soutenir Belgique pour dire que la Belgique et pour dire que l'Union européenne aussi condamne et sont contre ngé lever un moratoire pour la condamnation à mort. Na ba o to ko benga ka ba infiltré na ba traître. Banamboka Congo, ce n'est pas pour rien aussi je suis en train de vous dire. Et que la main noire, où est-ce qu'il y a une prison centrale de Makala, là où vous avez vu, bah prisonnier Baluka qui va bima, c'est parce que dans la prison centrale de Makala, bah bomba qui, au tobengi des traîtres congolais et des infiltrés rwandais qui sont arrêtés à l'est de la RDC. Koko s'en a tenu de Kounanga Congo, je vous l'ai dit. Que la RDC a commis fort. Namokole Wutu Kolekawa. Toujours dans le système Nabango ya ko déstabilisé. Ils ont essayé dans le territoire ya Arou. Pour na bana mboko bayebi Arou, ils ali territoire nakati ya province ya Ituri. Ou ezaka province orientale nakala. Ba rebel wana ba yé na loyenge. Ba koutani na général Johnny Luboya. Frappe bango. La stratégie ou tu sais que de tchaki. On a ebiso ki le fin stratège. Aya ki kotia makasi no sotou na po na territoire. Na province zanyay kolobaya nord ki voute. Tu sais que dis savait que Kagame a déstabilisé ka. Grand Est Mobimba. C'est-à-dire, Ituri, Nord Kivu, Sud Kivu et les Katanga. Il y a pas que Kagame, Azaki Kokene Tina Maniema. C'est ainsi que Tshisekedi a commencé à renforcer le militaire dans la province de Ituri, à la frontière entre la RDC et l'Ouganda. Et à Tikeli Suko Nord qui vous banne en boca autoko benga ba wazalendo. Wana ba wazalendo basaki ko contrôler province ya Nord Kivu. Kende ko distraire bango.
en même temps à renforcer Sud Kivu en collaboration avec les Burundi. Bana mboka wa forma ki mbana moko 46 000 bande konara ba congolais. Au lieu de les envoyer dans Nord Kivu, te boya bo contrôler dans le Sud Kivu. À renforcer Sud Kivu, à renforcer Ituri, à renforcer Kisangani, à renforcer Katanga na Maniema. Nord Kivu, article yango samedi RC na Wazalendo. Wana Kagame azali okanisa ke comme d'habitude soka ye papa malamo ko komi wapi a komi directement na Nord Kivu bien Sud Kivu. Mais on le kela wapi siko. Après avoir sécurisé ba province wana otangela yo Ituri Sud Kivu Maniema Katanga nde siko e komi likambu ya nini e komi likambu Nord Kivu wapi. Au sentir que le Wazalendo hier, na mokole outi koleka, ba Wazalendo nyonso, oyo, ya Lubero, Lubero ezali territoire, na kati ya province ya Nord Kivu. Parce nini, bomona ki kanya bayonga, mais ba Wazalendo nyonso ya Lubero ba sangani, babino, il faut tokende ko combattre. Ba oya walikali pe ba sangani, babi il faut que ne ko combattre pour que to laisser mais c'est Kagame boyete ala ko sakana na basi bana na biso pe na ka chamboka na biso parce que to ko insiste à tout moment pour ko sa bana mboka Congo ki le M23 AFC c'est un groupe il y a une cinquantaine de personnes et c'est fini le reste au monde non so des Rwandais et des Rwandais. Il n'y a pas de Congolais. Nakata M23 AFC. Ba Congolais bazate. La majorité na bangonyo so ce sont des Rwandais et des Rwandais ya ekolo ya Kagame ba tuti. O ya linga tsaye na bango mboka mobimba ba koma mboka ya bango ba ya kozwa na RCS RDC ba komisa ngo ya bango. C'est pour cela to ko tire attention ba na mboka Congo. Na makambo etali Vital Kamerhe toko yebisa ye na sama lukonde bango mibale parce que Vital Kamerhe akeko luko bazombongo batonga bopito sama lukonde pe aye na ndenge na yo te fombongo basanini batonga ensemble mususu est-ce que makambo bango bakolobaka ezali opportunité est-ce que ezali urgence. Na moment to ko mona ndenge ba dépasser bazali. C'est pourquoi to ko lobaka na bango. Bati kabilo ko na bango wana. Nous sommes pas d'accord na yango. Na moment to zali ndela posa ya nini. Ko si sa bakamwa SRDC na biso. Et non pas ko ko kota na makambo ezana importance. Il y a beaucoup de lois. O yo ba priorité c'est belé. Aujourd'hui Costa Mutamba azana besoin ya soutien na bango. Pour que baye bandenge nini ya koya ko soutenir l'armée congolaise na ba loi même la justice militaire na ba loi toza la posa ya makanisi na bango pour que ba voter biso ba loi c'est là ce que nous avons besoin mais bango ba ko ki komema biso te na makambu ya ba o o te to tonganda ku moko o bien au kuno hôpital bon maman ye mon hôpital te asisi ye hôpital te. Qui hôpital de Vital Kamerhe alinga tonga. C'est pourquoi nous disons à Batouana surtout que nous ne sommes pas d'accord. Et ceux qui bango ba meki ko insister comme mabongo. Nous allons mobiliser pour s'opposer à cela. Nous ne sommes pas d'accord na ba décision na bango wana. Quand vous êtes député, vous allez député pendant que servir la nation. Vous allez député pendant que servir le peuple. Et non pas pendant que luka confort na yo ou bien que luka confort. Il y a famille na yo. Mais ozo lukande bolamu ya population congolaise. Si toi tu cherches à construire un hôpital ou yo ko zala traité, mais na peuple congolais. Peuple congolais, tu penses quoi à eux? Ce qui yo ko lukao édifice pour que bino bo kende ko se rassembler. Mais na peuple congolais. Ou azali na est.
na bakaya ba réfugiés. Là, nous ne sommes pas d'accord, Nayango. C'est pourquoi ton aïe t'a fixé moi et le courant. Pour que ton bato la qui s'en a battu. Nous ne sommes pas d'accord. Na décision, Oyoana, Oyobango Bazui, pour na koya ko luka ko sa nini, kotonga édifice, na kotongo pito, pour na bango, et pour na ba famille na bango. La RDC, nous n'allons pas accepter cela. Tokondimayangote, ba décision, Oyobako lukaka ya marque wana. C'est pourquoi nous saluons les jeunes Costa Mutamba. Oyo annonça qui peut aller au Baki. Je ne vais pas reculer d'un seul pas. Par rapport à Oyo Tokolobaka, ba pression Oya Zouaki. Ba pression Oya Zouaki. Namakambo Etali. Je sonne à Kanemba réforme. Oyo Yaye Nayango. Namapona Kosili Samoyibi Yaba Magisa. Naya ba procureur. Constant Mutamba n'est pas d'accord na yango et nous nous soutenons Constant Mutamba. C'est pas pour rien comment qui coquiser Constant Mutamba tout moment. Pour le Kolobana azali populiste azali boy parce que Constant Mutamba a changé ndakute bana mboka. Il a dit ça. La maison où il a ko vivre, il est devenu ministre, il continue toujours dans ces maisons là. Avec même véhicule azola azo tambonango, il continue toujours dans le même véhicule là. A changé véhicule était au moment où bango bazo lukande ba changer ba véhicule ba changer bandaku. C'est nous disons ceci, nous ne voulons pas de cela. To boyi biloko wana, la priorité c'est l'est de la RDC. Priorité ezali ba reconstruction ba hôpitaux ba nana ba ngote. Nous avons de grands hôpitaux. Et la haute Kolobaka ezali priorité pour nous. Ezali nini? Ezali situation sécuritaire ya bana mboka et situation haute Kolobaka ya social ya RDC et pe ya ba congolais. Voilà bana mboka Congo, wana ezali kinde kona bino boye bina komba muloto. Na uti kota li sabino situation Nengenini Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo asali. Continue kolandanga na expression 26. Wana lobby na kwa kota liso ba détail ya Luanda. Na makambu oyo eleki entre mokonza mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na Evariste Ndayishimiye na Kikwete. Na ebite bana mboka Kikwete c'est qui Kikwete azali ancien président ya Tanzanie. Wano komona wapi Kagame ayebi njela kokimate Uganda pe azasuna bango même moralité a joué double G. Continuez qu'on a nabi son expression 26 aimer émission peut partager pour la numéro na ngai ezali plus 243 89 40 330 80 plus 243 89 40 330 80 merci beaucoup.